Salut à toutes et à tous, ici BBTM. Et Cinéa. Et on se retrouve pour une nouvelle partie de Tomodachi Life sur ma partie chez BBTM. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est là? Où il y a quelque chose? Non, il y a juste quelqu'un en fait. Il y a juste Reggie. Oh, c'est Reggie! Reggie, il aime les Reggie en mode impassible, il se balade. Voir l'agenda. Spectacle de magie de 10 à 11. Tomodachi Quest, marché du soir, blablabla. Reggie n'a pas l'air de s'amuser au parc d'attractions, c'est pas grave. Et on va voir les petits trucs nouveaux, tiens. J'ai de l'argent. Apparemment, il y a des nouveaux trucs à l'épicerie, donc on va aller acheter des trucs. Oh, hein. des churros. Ah bah oui, hein, moi j'ai que les trucs de cool. Pâtisserie espagnole constituée de pâtes frites. Puis saupoudrée de sucre. Je sais pas pourquoi j'ai bugué en lisant. J'ai 1052 euros, donc ça va, on va pouvoir faire de la panna cotta. Elle a l'air d'avoir vécu la panna cotta, ouais. Moi je dis ça, je dis rien, elle fait bizarre. Pas très envie. Poulet frit. Toi tu les as tout ça? Certains oui, certains non. Un petit ragoût de bœuf. Allez, moi je vais faire les emplettes. Hein. La ratatouille, vas-y. J'aime pas la ratatouille. Faut aimer les légumes. Mais... Ça a pas trop de goût. Alors par contre, je sais pas ce que j'ai. Le caviar toujours. Bon, le yaourt cuit à la poêle de Michael Jackson. Ah oui, le yaourt il est où? Je crois pas que j'en avais pris. Donc hop, on va en prendre un peu de couscous. Comme ça j'aurais pas besoin de retourner au truc pendant un moment. J'ai fait quoi, 300 euros de course là? Rien ne va plus. Avec pas mal de churros. Bah ouais, mais j'aime bien quand c'est des trucs nouveaux. Tiens, on va regarder le magasin d'import. Ah bah oui, c'est le sombrero. Bien le bonjour. Musique. Ah oui, c'est dans les chapeaux. Cagoule singe, chapeau baigné. Ah ouais, c'est ce que t'as eu avec mon street pass. Mais non, ça c'est pas moi qui l'ai eu. C'est moi qui l'avais de base. Oh, tu l'as auto-eu. Tu vois, Origin Hill Borderland. Origin Hill Nintendo. Ah bah c'est Nintendo en fait qui nous a envoyé le petit sombrero. Tranquille, pépère. Bon bah écoutez, je vais l'acheter. On trouvera bien quelqu'un avec une moustache à qui le mettre. Ah, c'est pour donner du fric? Ouais. Yes! Alors, je sais pas si... Oh, Iwata, il a donné un gros paquet de fric. Est-ce qu'il y aura tout le monde cette fois, ou est-ce que... Ah, j'ai l'impression, bah, hein. S'il y a Tingle, normalement, oui. Hein. Ah, oui, oui, ça y est, il y a enfin tous mes personnages qui ont été mis dedans. Il m'en reste quelques-uns en réserve. Ah, t'as donné un gros billet pour une fois. Allez, Baby Daisy. Dumbledore qui peut enfin assumer sa féminité au grand jour sur l'île Borderland. Pourquoi il a médité devant son... Il a fait un vœu ou quoi? Pourquoi Reggie fait caca devant la fontaine? Je vais donner un peu pour les petits enfants. Ils ont besoin d'amour. Mon petit Gandalf Daisy Duck est dégueulasse, franchement. Est on dirait vraiment le Birdo nouvelle génération. Et Zelda avec ses lunettes de soleil, trop swag. Elle n'est qu'une pièce, Zelda la radine. Yeah, 83 et tout, je pensais plus. Oh, les, bah, les autres jours, il y en avait beaucoup moins et on tournait à 50 euros environ. Et là, ils sont beaucoup plus, mais il y a beaucoup moins. Mais encore un événement? Ah, le marché du matin. Moi, il donne à peu près 130 et quelques. Les bons panettones. Oh, des panettones. Les bons panettones. Panettone. Oh, Gandalf, qu'est-ce que tu mets un vent à Chewbacca? Bonjour. Boum, 10 parts de panettone. Parce que nous on prononce à l'italienne. On va regarder un peu les nouveaux chapeaux, hein. On va faire un peu le tour de toutes les nouveautés que j'ai dans le... Bonnet à oreille. Oh, j'ai mignon. Allez, j'achète. Je vais acheter tout et n'importe quoi, j'ai de l'argent. Oh, damn. C'est Marie-Antoinette. Non, ça rappelle le truc... comment? Le petit chaperon rouge, là. Genre, ah oui, la grand-mère. Que pourrait porter la grand-mère. Oh oui, César. Ave, César. Morituri te salutente. Bonne fin de journée. Hop, les petits vêtements. Bonjour. Avec la petite musique sympa. Petite musique. Robe à col polo. Nouvelle couleur. Ah, c'est ce que j'ai mis à peux changer de couleur. Robe ample. Oh, elle est jolie. Robe victorienne. Oh la vache. Ah, par contre, ça douille ça. Faut que je fasse attention parce que. Hey, tu pourrais mettre la coiffe bizarre. Un t-shirt en jean, ouais, pourquoi pas. Tenue de pop star, ouais. Oh yeah. Je vois bien Iwata avec ça, bizarrement. Chemise à carreaux, c'est nouveau. Le maillot sans manches, ouais, pourquoi pas. Hop. Pantalon cargo. Ah, ce que j'ai mis, ça, mon gars.
On dirait pantalon de mec de Punch-Out. On dirait un truc de Yakuza, moi, je trouve. C'est un truc de Yakuza. Ouais, je trouve. Fait longtemps que t'as pas vu des Yakuza, toi. Bah, en même temps, hein. Fait longtemps que je suis pas allé au Japon. Alors, il y a même du nouveau dans le décor d'intérieur, donc on va aller voir chez Ikea. Qu'est-ce que tu me proposes? Oh, style Versailles. Il y a style nuptial, mais je douille. Le style coulisse. Ah, ça peut être sympa pour genre une star ou un acteur. Style pluie. Le style Versailles. Wow. Ah, 3000 boules, hein, le style Versailles. Hein, donc, Ah, le style floral aussi, nouveau. Mais non, je les avais déjà, ceux-là. Je sais pas pourquoi ils me disent nouveau à chaque fois. Ouais, le style Versailles, il est joli, mais va falloir trouver l'argent, quoi. Ouais. Alors, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir nos appartements de mi, parce que bah, depuis la dernière partie que j'ai enregistrée, j'y étais pas allé. Ils vont te dire, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu. C'est aussi de Bibi Live. Vous ne vouliez plus me voir? Salut. Salut. Ah non, toi, ils te le disent même pas. Alors qu'est-ce que t'as? T'as faim? J'ai envie d'éternuer, mais je ne... Ah, mais vas-y, dis-moi tout. Moi, je suis le roi de l'éternuement. Pourquoi tu dirais pas maintenant alors que t'as tout à y gagner? Allez. Yeah! Et pour l'instant, il y en a aucun qui m'a bidé. Hein. Je sais pas si j'ai le mojo. Merci. Mais de rien. Combien tu me donnes? Ah, 12 dollars. 12 euros. Ah, purée, mais j'ai quoi avec les dollars? Tiens. Ouais, purée, mais je sais pas ce qu'ils T'as ont avec les médicaments. Caca, mais... et bah, tiens. J'aimerais bien que Dumbledore devienne ma meilleure amie. Ah bah oui, pourquoi pas. Bah faut faire les efforts, mon gars. Je vais pas les faire pour toi, tiens, t'as faim. Un petit poulet frit. Moi, je sais que j'aime bien, dans la vraie vie, le poulet frit. En fait, ouais, tout ce qui est frit, moi, j'aime les bien. Les churros, après. Bah allez, si on fout le frit. De la place. Ouais. Bon. Ouais, ta télé, elle bug derrière. Ah, je préfère le poulet frit au couscous. Est-ce que c'est vrai? Oh, je pense que ça se vaut. Un bon couscous, c'est bon. Allié. je vais lui donner, je sais pas, il a déjà une Wii U, hein. Ouais. Ah oui, on voit. Là, je vais te donner un téléphone portable à 3 boutons. Wouh. Ah, il a bien attrapé, hein. Comme ça, tu pourras faire je sais pas trop quoi avec. Mais t'as encore une petite faim, donc... Des churros, tu veux? Ouais. Va les chercher. Oh, lol. Oh, comme un gardien de but. Ah, comment il a essayé. Comme c'est quoi parté. Nintendo avait prévu qu'on s'amuse à les jeter n'importe où. Ah ouais, en plus pour cette Coupe du Monde de Brésil. Yeah. Ah, il aime bien. Où ça se place? Oh, oh devant yeah. le poulet frit. Comme quoi t'aimes bien en fait, le sucré. J'aime toi, ce qui est frit. Et sucré. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a besoin de mon aide? De toute façon, je pense qu'ils ont tous faim. Donc on va tous passer dessus, même ceux qui ont rien à dire, c'est pas grave. Trop de données. Oui, c'est bien Dumbledore, t'as bien retenu. Ta phrase culte du premier film. T'as faim. Bah bien sûr que t'as faim. Du ragoût de bœuf. Ouais, un petit ragoût. Ah bah elle non. Pas pour... Bah en même temps il est vieux, donc peut-être que ça marche qu'avec les enfants et les jeunes adultes. Purée, ça lui a tout rempli d'un coup. Non bah il a plus faim. Ah oui, mais ah ouais, en même temps un ragoût de bœuf. Tenez. Pour vous remercier. Tiens. Yeah, après faudrait peut-être que je leur teigne un peu les cheveux. J'aurais bien aimé avoir une apparence un peu différente. Oh, il se trouve d'accord, moche. Pour sa maison. Non, pour lui. Ah, bah tant pis, hein. Il se trouve moche. T'es vieux, hein, faut pas t'en vouloir. Oh, il a pété. Oh putain, mais en plus, le gros est bien gras, quoi. Ah. Espèce de pourc. Ah bah oui, what I baby Daisy. Fraîchement marié. Dans l'inceste Salut. La plus totale. Qu'est-ce c'est que t'as à me dire, Iwata? Mais c'est de la pédophilie. J'ai l'impression que vous aimeriez être ailleurs. Je me trompe? Non, je suis très bien là. Te prends pas la tête, hein, Iwata. T'as faim? Ouais, quasiment. J'ai envie de... Non, mais lui, je veux lui donner le Viagra. Le Viagra, le foie gras. Non, putain, j'ai l'air. Le caviar. Ah, il aime. Oh, c'est tout. Oh putain, même il pas. Il faire le pain au chocolat à 1 dollar. Oh putain. Ouais. Eh, je l'ai payé 65 boules, hein, ton caviar. Un détecteur de métaux. Tiens. Tu trouveras peut-être de l'argent pour relancer la Wii U. Ah. Les gens n'aiment pas dans les commentaires quand je troll la Wii U, mais vous savez, j'aime cette console, hein, donc c'est. Faut le prendre avec humour. Ah, je peux quand même lui donner un autre truc à manger. Une choucroute. Ah, la grosse choucroute. Même si c'est que du chou et pas de la croûte, mais c'est pas grave.
Oh, il a pas aimé. Il a vomi. Oh. Bon. Il aime pas, mais c'est pas non plus son truc le plus détesté. Par contre, tu vois, je vais pas m'en souvenir, moi. Ah bah, il est à la plage pour se changer les idées. Je vais pas m'en souvenir, moi, que par exemple, la choucroute s'est pas passée si on me l'indique pas, quoi. Salut à vous. Tu as faim? J'aimerais emmener jouer ça quelque part. On parle d'attraction. Bonne idée, je vais me préparer et y aller. Mais j'aurais bien aimé te donner à manger avant. Bon. Et Iwata aussi? Ah oui. Ouais. Attends, on va juste aller voir ce qu'ils y font. Ce serait drôle si on pouvait les capter sur un manège. Ah non. Oh, ils font que discuter. C'est mignon. Mais quand vous allez dans un parc d'attractions, vous faites que passer comme Reggie et discuter sur les bancs? Bah apparemment. C'est tristouné un peu. Oh, incroyable. Oh. Bah t'as, il en a rien à foutre. Allez, on va continuer un peu. Voir ce que les mis ont à nous dire. Toi non, toi non, toi non. Michael Jackson. Tu as faim peut-être. Oh, il est vénère. Ah bon? Ouais, il a dû se brouiller avec quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Merde. Je suis vraiment en colère. Et ben voilà, j'en ai deux qui vont... Vas-y, excusez. Et bah moi, la dernière fois, il a refusé ses excuses. À me calmer un peu, comment je calme? Bah tu lui donnes des trucs sympas. Pas forcément à Miami, mais genre des jeux ou... Je ne suis pas d'humeur. Bah oui, mais bon. Genre une balançoire, t'as pas une balançoire? Balançoire? Ouais. Je sais rien, hein. Ou une boîte à musique, peut-être. Tiens. Chante Billie Jean avec la boîte à musique. Je vais écouter. Ah, ça va l'aider à se calmer. C'est trop mignon, la petite musique. C'est bon? Oui. Quelle douce mélodie. Allez, vas-y, excusez. Ma colère est un peu retombée. Je vais essayer d'aller me réconcilier. Est-ce que je peux voir la scène ou pas? Oui. Yes. Ah, Gandalf aussi, il est vénère. Bah oui, du coup, comme ils sont... Et l'autre, il arrive genre, coucou. Le petit Gandalf. Désolé pour l'autre fois. Et Gandalf. You shall not pass. Bon, c'est moi qui suis désolé. Oh. Moi, la dernière fois, il a dit, j'en veux pas de tes excuses. Oh. Non, mais moi, dans ma ville, tout se passe bien. Allez, donne-moi du freak. Merci, notre querelle est terminée. J'aurais bien aimé savoir c'est quoi votre querelle, mais... T'as touché un petit, là, enfin. Je vous remercie. Allez, donne-moi des trucs. Un billet d'avion. Ça peut être intéressant, ça. Je crois que c'est pour envoyer quelqu'un sur l'île de quelqu'un d'autre, mais je suis pas sûre. Du coup, j'ai jamais testé parce que j'ai trop peur de perdre les gens de ma ville. Je suis de Bruxelles. Oh yeah, nice catch. Ah, il aime bien les chutes de Bruxelles, bien. Michael Jackson. Troisième position, niveau plus, rien ne va plus. Est-ce qu'il a un intérieur? Non, je crois pas. Asie moderne, bois naturel, classe moyenne. Bah, lui, ça aurait bien été. Non, je vais pas prendre ça. Tiens, ballon de foot. Non, lui, je vais attendre d'avoir le style versaillais, parce que vu qu'il aimait bien les trucs un peu fifou. Bon, par contre, ce sera pas tout de suite, hein, tu m'en veux pas. Je vais juste te donner un autre petit truc. Tiens, un pain au chocolat, tu m'en diras des nouvelles. C'est meilleur quand ça a traîné par terre. Avec les moutons de poussière. Boah, correct, ouais. C'est trop de... bon, le pain au chocolat. Espèce de... C'est meilleur que le chou de Bruxelles. Si on jouait un peu. Ah oh, bah vas-y, c'est MJ, hein, fais-moi rêver. Retournez deux images pour former une paire. Trouvez toutes les paires en moins de 5 erreurs. Ah, ça, c'est le jeu Made in Super Mario Bros. 3. C'est Chewbacca, un fossile d'ammonite. Oui, j'ai bien vu. Ammonister. Une pomme. C'est Chewbacca. Ouais, mais c'est pas facile tant qu'on trouve pas une correspondance entre un truc qu'on a déjà fait.
Ah purée, mais j'ai pas de chance. La pomme, elle était où? Juste au-dessus, je crois. Un fossile d'ammonite. Elle m'a bidé. Mais j'ai pas regardé. Regardé. Aïe. Il m'a tué. Ouais. Ah, c'est dommage. J'arrive plus. J'ai perdu mon mojo pour les jeux là. C'est ça, donne-moi une boîte de mouchoir. Attends, bah je vais aller voir mes autres bonhommes. Ok. Ah si, y a Bibi qui veut jouer, je crois. Salut. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je pense parfois que j'ai... LOL. Oh bah oui, dis donc. 30 kilos de cheville. Sinon, les pastèques à la place des chevilles, ça marche bien. Ratatouille, tiens. Oui. Nice catch. Purée, mais le pire en plus, c'est que ça les blinde, quoi. Je vais essayer de lui donner juste un autre petit truc, genre un petit pamplemousse. Nice catch. Hein? J'arrive pas à trouver encore de trucs qu'ils aiment ou qu'ils détestent. Ça finira bien par revenir un jour. Pourtant, j'ai quand même pas mal de nourriture débloquée déjà. Bon, je sais qu'il y en a sûrement plein d'autres, mais... Et pour ça, il faut qu'ils me donnent des poils pour que j'en découvre d'autres. Je voudrais bien des dates. Des dates. Ah, j'en ai dans ma partie. Bah alors là, tu vois, tu vas te faire foutre. Parce que j'en ai pas. Tiens, ce qui se rapproche le plus... LOL. Une quiche. Ah bien. Gardien de goal. Genre correct, mais non, maintenant. Et le pire, c'est que c'est son premier. Donald, il fait... Ouais. Alors, je vais lui faire dire... Juste, je sais pas faire la voix de Donald, mais... Ouais, c'est pas mal. Tiens, va chercher. Oh, elle est lente. Ah, j'aurais pas dû. On dirait qu'elle traverse 10 km pour faire la... un bout à l'autre de sa chambre. BWA. J'aurais dû mettre BOUA. Bon, bah, tant pis. Non, j'ai pas de date. Mais par contre, je peux encore te donner un petit truc à manger. Tiens, pas d'étonné. Tiens. Je l'ai acheté à Chewbacca, tu m'en diras des nouvelles. Il y aura peut-être des poils dedans. Oh, mais correct, oh là là. Elle aime rien, elle est chiante. Hein. Tant qu'on trouve pas le bon truc, le bon filon, ça marchera pas. Oh. Chewbacca et Gandalf. On dirait qu'ils ont pris de la drogue un peu là, ils sont tous les deux là, genre. Oh, t'as vu le plafond? Oh, les murs. Salut. Qu'est-ce que tu veux me dire? J'ai chez moi beaucoup de livres empruntés à des amis et que je n'ai jamais rendu. Ah bah oui, mais ça nous arrive à tous, hein, d'avoir plein de trucs empruntés, jamais rendus. Tiens, une version de Pokémon Argent, par exemple. Tente la panna cotta dégueulasse. Qui ça, moi? Moi. Ah oui, je me disais, moi non. Au primaire, il y avait un de mes potes qui m'avait prêté sa version Argent pour que je capture un Pokémon, je ne l'ai jamais rendu. Bof, il l'a pas réclamé, hein. Non. Tiens. Ah mais le jus d'orange la plus remplie que la panna cotta, quoi, c'est n'importe quoi des fois. Allez, on finit sur un petit yaourt. Un petit yaourt, ouais. Cuisiné par Michael Jackson. Ah si, on voit ce qu'on leur a déjà donné. Il y a une petite flèche verte. Ah oui, mais j'avais pas vu. Ah, elle a bien aimé le yaourt frit à la poêle. Ah, il aime les produits laitiers apparemment, panna cotta, yaourt. Mais alors comment là... tu vas le faire? Alors là, ça va être rigolo. Alors là, il va te faire RR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 
un qui est amoureux. Oh, damn. Oh. What? Mais t'es pas déjà marié avec des baby déguisés? Point, point, point. Merci d'avoir regardé cette nouvelle partie de Tomodachi Life. Il nous coupe ici, le goja. Et ouais, je vous laisse avec Iwataki, qui a peut-être un souci amoureux, on ne sait pas, on le saura dans la prochaine partie. Merci d'avoir regardé celle-ci, et à la prochaine. Salut.